Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on finit la semaine en apothéose au sommet avec du ban, du bug, du cheat ou du bug, on ne sait pas bien. Et une nouvelle civilisation qui s'annonce en vidéo, du très lourd pour cette vidéo. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, venez chercher des infos, venez chercher du bonheur sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Pas d'excuses pour le rater les amis, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Donc venez, vous y retrouverez tous les screens de cette vidéo et tous les screens de toutes les vidéos. Et bien plus encore parce qu'évidemment je ne peux pas vous parler de tout. Commençons tout de suite avec cette petite vidéo officielle, mais extrêmement bien faite, j'ai trouvé très sympa, sur le trailer pour la nouvelle civilisation égyptienne, ce qui annonce une arrivée très très prochaine. Toujours pas tard, on commence direct dans le jeu. On voit ces deux pas. Lilith s'améliore très grandement. L'ambiance sonore est très bonne. L'ambiance visuelle est excellente. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris par ce trailer. Alors il est court, mais il est très bien fait. Regardez, je vous le remets une seconde fois. Ils ont même customisé le thème Rise of Kingdom pour qu'il soit l'image des Égyptiens. Mais franchement, c'est très bien fait. Moi j'ai été agréablement surpris. Malheureusement, ça c'est dommage. Surtout les anciens commandants et non pas les nouveaux. Sauf à la fin, on a d'infos du côté de cette civilisation et surtout une date. Alors là, comme ça se précipite, je pense qu'on va avoir une date très prochainement. Il faut savoir que quand il y a un enjeu énorme pour Lilith, hein, quand il y a eu le release de la civilisation viking, il y a eu un pic de téléchargement par rapport à la moyenne des mois autour du jeu d'environ x5 à x10. Donc vraiment très gros enjeu. Je pense que l'Egypte va moins d'amener de foule sur le jeu que les vikings. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu marketing pour Lilith. Continuons donc les amis avec ce petit drama du moment, cette petite info. Je vous ai parlé dans la vidéo d'hier de Mimi, l'une des plus grosses joueuses du jeu en termes de puissance. Et regardez, on découvre ce premier poste parce que là, c'est le drama du moment. Et vous allez bien comprendre les choses, je vais bien vous les expliquer. Elle va se plaindre sur un Discord, hein, Mimi, vous la voyez, hein, elle fait le smile mécontent, la pauvre. Elle a été bannie par les méchants de Lilith. Et pour une fois, je suis du côté de Kevin. Ouin ouin, Lilith sont méchants, ils l'ont banni. Mokot, hein, Marquinhos du PSG, pour ceux qui le connaissent, hein, répond que c'est parce qu'elle faisait trop peur aux ennemis. À mon avis, Mimi, hein, je m'avance pas trop, mais c'est parce que tu bottes trop, ma poulette. C'est pour ça que tu t'es fait ban. Et vous allez le voir, le récit de son histoire, c'est tellement beau. Vous allez en chialer, j'en suis sûr. Donc, elle a bien évidemment arrosé partout de messages. Et c'est intéressant de lire ce qu'elle écrit. Regardez, elle raconte son histoire. Alors, c'est une traduction en anglais, bien évidemment. Elle l'a écrit en coréen, puisque d'origine coréenne, si je dis pas de bêtises, même Corée du Sud, puisque c'est le Won dont elle parle. Regardez ce screen, vous le retrouvez sur le Discord. Elle dit qu'elle s'est fait bannir, la pauvre, ses deux comptes, hein, et Cof Total, donc son compte Rose, son compte Flower, Rose of Mimi, son compte Flower of Mimi, et elle dit que sur ses comptes, elle a investi plus de 300 millions de won. Alors, c'est simple, hein, 300 millions de won, c'est quasiment 250 000 euros. Donc voilà, elle dit qu'elle a dépensé tout cet argent et que en plus, alors là, ce passage-là, il est magnifique. Ce passage-là, franchement, une régalade, il m'a éclaté. En plus, les entreprises de son père sont super rentables et en ce moment, elles font plein d'argent. Hein. Donc on comprend d'où elle a sa thune, hein. Sauf si la traduction est éclatée, ce qui est possible, ou la mienne est éclatée aussi, c'est tout à fait possible. Et qu'elle dit, bon, c'est pas grave, ça ne blessera pas la compagnie qu'elle ne soit plus là, et puis elle, c'est pas grave, elle s'en va.
Et puis voilà, son problème, et elle dit au revoir à tout le monde. Alors la meuf d'un côté, elle dit, c'est ça son message là, c'est pour ça qu'il est magnifique ce message. D'un côté, elle dit, bah mon père il a trop d'argent, j'ai plein d'argent encore à investir dans le jeu, donc quelque part, j'ai un peu le seum Lilith, donc s'il vous plaît reprenez-moi et je mettrai encore plein de thunes dans le jeu. Et de l'autre, elle dit, bah c'est pas grave, de toute façon, l'important c'est pas là, et puis je m'en vais comme une princesse, je m'en vais comme un seigneur, et je m'en vais vers autre chose, amusez-vous bien, salut tout le monde. Je suis désolé, mais là, ton message, il transpire le seum de ouf, hein. Et pourquoi tu t'es fait bannir, Poulette? C'est très simple, pourquoi tu t'es fait bannir. Franchement, pour une fois que Lilith fait quelque chose de bien sur un Kraken, franchement, c'est magnifique. Regardez selon les propres écrits, hein, ses propres messages à elle, hein. Donc, elle nous raconte la petite Mimi, c'est sur un des Discords, c'est Venom qui raconte ça plutôt, hein. Non, c'est elle hein, qui raconte ça. Hein. Elle dit, elle ne botte pas parce qu'en fait, elle s'est fait bannir. Pourquoi? Donc, ses messages, c'est ce qui est en bleu. Hein. Elle dit qu'elle a seulement 10 doigts et donc elle nous montre hein, son installation. Là, elle dit, elle a pas été bannie. Enfin, elle a été bannie pour bot et pourtant, elle botte pas. Et regardez, elle montre son install. Pourquoi elle s'est fait bannir, notre amie Mimi? Eh bien, elle s'est fait bannir parce que elle a téléporté tous ses comptes au même moment. À la même seconde. Donc la meuf téléporte tous ses comptes en même temps et elle veut nous faire croire qu'elle botte pas, juste elle a plein d'écrans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Kevin, Nevesviper, le modérateur, l'un des modérateurs de mon Discord, Kevin, il peut vous montrer un screen de son install, il doit avoir 1000 screens en même temps, et franchement, il doit avoir 5, 6, 7 comptes en même temps sur lesquels il joue. Demandez une photo de son install, elle est collector, on dirait le Baba de Wish. Et bien notre ami Kevin, il n'arrive pas à téléporter tous ses comptes en même temps, et pourtant il a 10 doigts tout comme Mimi. Et donc elle nous montre là son compte banni hein, pour une durée d'un an, je crois, si c'est bien ça. Voilà, donc elle a botté, elle a téléporté tous ses comptes en même temps. Alors il faut savoir que Mimi, c'est une très très grosse baleine de rock. C'est une très grosse joueuse, ça lui enlève aucun mérite. Hein. Une joueuse énorme, elle y passe énormément de temps. Elle a des kill points de ouf. Je vous en parlais encore de la vidéo d'hier, elle est dans le top 15, si je dis pas de bêtises. Mais pourtant, c'est une très grosse botteuse. Alors vous allez me dire, pour arriver à ce niveau-là, ils bottent tous. Non, je suis désolé, mais autant il y en a certains, on les a déjà vus botter, hein, le boss par exemple des OV, hein, on sait qu'il botte, et il y en a plein d'autres. Mais prenez des très gros joueurs emblématiques, je n'ai jamais entendu aucune rumeur de botting sur notre ami Baba. Jamais aucune rumeur de bot sur notre ami Mokot par exemple. Et donc là je vous cite deux énormes joueurs et il y en a plein d'autres comme ça, des Kraken. Donc on peut être au top en kill point, Bunny non plus, à très haut niveau et pourtant ne jamais avoir botté ou du moins ne jamais s'être fait gauler. Alors est-ce que Mimi va se faire des bans? Évidemment elle va se faire des bans par Lilith, hein. Lilith va la déban comme tous les autres Kraken qui se font ban. Mais est-ce que c'est juste? Non, clairement, ce n'est pas fair parce que vous avez affaire en KvK à une joueuse qui botte pour des ressources, qui botte pour attaquer. Et vous, déjà, vous n'avez pas les moyens de dépenser 250 000 euros dans un jeu. Et franchement, si vous avez 250 000 euros à rien faire, gardez-les, faites-en autre chose, mais ne les mettez pas dans Rock. Et au final, elle va revenir. Et si vous tombez face à elle en KvK, eh bien, elle va vous rouler dessus avec gentiment l'accord de Lilith qui l'aura déban. Voilà pour le petit drama du moment. Elle va pleurer partout. Elle a pleuré sur le Facebook. Elle a pleuré sur les Discord. Là, elle a dû contacter bien évidemment le support VIP. Et au moment où vous verrez cette vidéo, ça se trouve, elle sera déjà déban. Passons à présent à l'autre gros sujet du moment, l'autre grosse info lors de la dernière mise à jour. Il y a eu l'option blocage qui a été mise en place. Donc regardez, si je vais dans favoris, on doit pouvoir la retrouver si je dis pas de bêtises. Nouvel événement guerre des optimisation au royaume perdu, est-ce qu'ils le disent là?
Nouveau combat à distance, non. Nouveau système de diplomatie, non. Tour de flèche, portée, ajout d'un nouvel écran, fonction. C'est bien dans celle-là. Des forteresses d'alliance, balises de coalition, nouveau système de feat, conditions d'obtention, non. Les lots de saison, optimisation des graphismes, non. C'est pas dans celui-là ou sinon je la retrouve pas. Mais en tout cas, c'est soit dans la 1057. Alors je vais quand même vérifier, vérifier. On remonte les séries d'événements. Trésor au musée, non, non. Nouvel événement, guerre des ruines, 8 gouverneurs, mercenaires, les troupes restantes. Non, 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 on n'est pas là-dessus, mais on doit pouvoir le retrouver ailleurs. J'essaye de le retrouver pour savoir dans quel événement, dans quelle mise à jour ça a été ajouté. Je le retrouve pas, on était sur la 1057, peut-être on la retrouvera là. Si vous avez l'info sur le quel patch ça a été mis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je regarde dans cette autre patch log parce que parfois il y a des petites différences, je le trouve pas, mais il y a l'option blocage qui a été mis en place. Blocage vous permet de filtrer les troupes et la nouvelle fonction de blocage, c'est bien la 1057. En marche, les troupes alliées peuvent passer librement, mais les troupes non alliées ne peuvent pas passer si elles sont bloquées. Donc, on a tous dit, moi le premier, c'est de la balle. Sur les ruines, on va pouvoir bloquer les troupes. Super, merci Lilith d'avoir enfin fait une mise à jour pour bloquer les troupes et que les mecs qui essayent tout simplement de nous empêcher de jouer, eh bien, ne peuvent plus. Eh bien, regardez une petite vidéo des familles. Alors, la qualité est éclatée, on est d'accord. Mais regardez, donc, un rallye arrive, une troupe est devant un pont. Et regardez, le rallye est obligé de s'arrêter pour combattre une troupe. La troupe, en plus, c'est une troupe qui n'est pas alliée, mais qui n'est pas ennemie. Elle est orange, l'OT est bleu. Donc, on est bien sur un KVK et c'est une troupe du même royaume, et bien pourtant elle la bloque et pourtant elle lui rentre dedans. Je vais vous la remontrer plusieurs fois cette vidéo, que vous comprenez bien comment c'est éclaté. On se retrouve à présent avec des rallyes, donc au final qui font de l'open field. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va être comme ça? Et regardez pourquoi c'est énorme ce bug. Imaginez, vous avez un combat sur un fort, un flag ou n'importe quoi sur votre chemin. Vous lancez un rallye et il y a des troupes qui sont en mode blocage. Eh bien, le rallye va non seulement s'arrêter pour taper toutes ces troupes, mais en plus, et c'est ça qui est énormissime, hein, c'est que vous allez le ralentir, le diminuer et donc au final augmenter le temps qu'il va mettre pour arriver au bâtiment. Et de l'autre côté, vous allez avoir plus de temps pour lancer un contre-rallye. Oui, c'est bien ça. Regardez, là, il s'arrête sur un bélissaire. Mais imaginez, il y a 5, 6, 10, 20 troupes. Alors, vous allez me dire, oui, vos troupes vont se faire déboîter. Ok, vous allez vous faire déboîter vos troupes, c'est sûr, face à un rallye. Mais potentiellement, si vous avez 5 troupes d'un Kraken, eh bien, il va bien tenir, ou 7 troupes même en KVK, et il va bien ralentir énormément le rallye, suffisamment de temps pour que vous lanciez votre contre-rallye et peut-être que votre rallye arrive à peine à toucher la cible et à peine à arriver sur la cible finale et la détruire. Donc ça va vraiment, si c'est pas patché, complexifier énormément. Pareil, si vous avez des troupes qui sont en blocage là, elles empêchent de passer sur une zone comme le pont que vous voyez là. Eh bien, il suffit que vous lanciez un rallye sur un fort ou sur un flag ou sur une structure qui est derrière ce pont et toutes les troupes qui essayent de bloquer les autres vont se faire rouler dessus en open field par ce rallye. Donc clairement, c'est what the fuck, c'est n'importe quoi. Kevin, qu'est-ce que tu as fait sur le code? Patch-nous ça rapidement car c'est totalement éclaté. Vivement qu'on ait un patch en urgence. Je pense que ça se trouve, quand vous virez cette vidéo à 18h, elle sera déjà patchée. On aura eu peut-être une petite annonce de down des familles hein, pour patcher cela. Pour le moment, je vérifie en même temps. On ne l'a pas encore.
À présent, les amis, on va aller, comme promis, faire un petit tour sur le KVK du 1365 et du 13 et du 1093. Ce KVK est énorme, du 1365, pardon, et du 1846. Je confonds les KVK tellement ça bouge avec cette alliance. Si vous ne vous rappelez pas, on a le rouge en haut à gauche, le 1365 qui est allié au violet, 10-20, 23-42, et en bas à gauche, 10-44, 20-52, et en face, le bleu, la mer, 23-78. Non, non, pardon, ils sont tous les trois avec celui en haut, au centre plutôt, 23-29, 23-30. Face à trois royaumes en alliance avec le 1846, hein, le jaune en bas et en haut à droite, le vent, le bleu au centre étant neutre. Et regardez donc ce que ça donne à ce niveau-là. On est à un peu plus d'un jour, hein, donc on va attendre une semaine environ pour avoir les ouvertures de portes. Hein. On va pas avoir beaucoup de combats au début, il faudra attendre malheureusement les terres du roi pour avoir les gros combats. On n'a pas encore la prise des forteresses. Je vais vous montrer néanmoins, parce qu'on n'a pas encore les prises de forteresses, mais on a quand même des coalitions. Et vous allez voir les forces en présence. Hein. Les JST de justice, 11 milliards 9 avec 11 milliards 7, les JG des juges. Donc on est sur deux alliances à 22 milliards. Et là, vous allez vite comprendre le problème. Là, on a les 30 RL qui sont en alliance, les ICJ, 8 milliards 2, 8 milliards 5. Donc clairement, on est très très en dessous, hein. On a sûrement une deuxième coalition qui est à 9 milliards et 6 milliards 9, hein. On continue sur le deuxième plus puissant qui est censé être en Wedgie. Regardez cette coalition. Donc normalement, elle devrait être élevée, hein. 12 milliards, 10 milliards, 22 milliards. Donc 2 milliards déjà en dessous, juste avec deux alliances, hein. Au centre, celui qui n'a pas d'amis, qui est tout seul, malheureusement, hein, pour lui, je dis malheureusement, ce qui va se faire défoncer. 8 milliards 6, 9 milliards 2, au final, il est bien en dessous. Hein. Le 1846 qui est tout simplement énorme. Donc, à mon avis, si on regarde l'alliance des WIB, alors je vais aller sur les WIB, je vais pas me prendre la tête. Hein. Sur le 1846, je vais pas me prendre la tête, mais il faut encore que je le trouve. Est-ce que les WIB se sont mis avec les LIB? De toute façon, ils sont tous énormes ici. Hein. Est-ce que les WIB, non, les LIB sont avec les BIB. Donc, déjà, là, on est déjà à 22 milliards et on n'est même pas sur les alliances les plus puissantes. Ils sont là, les WIB. Avec qui sont-ils alliés? Avec qui sont-ils en coalition? Les WIB, hein, puisqu'ils ne sont pas. Ils sont avec les BIA. 14 milliards 6, 14 milliards 5. Donc déjà là, cette première alliance, hein, elle est déjà à 30 milliards. Elle met 6 milliards, hein, au 1365. Alors la puissance, ça fait pas tout. Mais ça aide énormément. Hein. En phase 2, on a avec leurs alliés le PW59 qui, eux, vont bien galérer. Hein, puisque eux, ils vont avoir des combats dès l'ouverture des portes. Hein, 11 milliards 4, 11 milliards 6. Hein, ça nous fait un petit 23 milliards. En phase 2, ici, on va tout de suite avoir des combats, hein, au bout de 7 jours. Hein, dans cette zone-là, en macha, hein, si on regarde les 44 underscore S, sont à 24 milliards également. Et on finit avec le dernier allié des 1365, hein, et pas n'importe lequel, enfin pas n'importe lequel, un bon allié tout de même. Est-ce qu'ils ont une bonne coalition? Non, cela c'est leur coalition de leur al. J'essaye de prendre, hein, les alliances qui sont le plus près de la forteresse, puisque c'est elles qui vont les prendre, hein. C'est des très gros guerriers quand même, malgré leur puissance. Ils sont à 20 milliards de puissance, donc tout le monde est presque équilibré, hein, sauf le 1846 qui est quand même très nettement au-dessus. Franchement, je ne vois pas comment le 1846, regardez déjà sur leur zone le nombre de forteresses. On se croirait sur le 14-12 ou 10-93 en KVK, les spécialistes des forteresses. Les mecs, comptez sur votre KVK en zone de départ. Regardez, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je recompte, 18. J'en ai bien 3, 6, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 forteresses sur la zone de départ. C'est clairement ouf, hein. Alors oui, il y a des comptes de farm, mais c'est énorme. Si on compare au 1365, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 seulement. Et je dis seulement, hein, mais c'est déjà énorme. Voilà, on va le suivre ce KVK, tout comme celui du 1093. Dès la semaine prochaine, ça va bouger. Donc ne ratez pas les vidéos de la semaine prochaine, les amis. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis,
Qu'attendez-vous pour lâcher un colossal pouce bleu? Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, les amis, depuis le temps que je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus. Sur Rock. Make their head drop.